ce matin, à la messe de 11h, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un à la quête a donné un billet de 1000 francs. 2000 francs? Oui, j'ai remarqué. Nous aussi. Qui cela peut-il être? Monsieur Vivien, des galeries parisiennes. Lui, il tondrait un œuf. Alors, Madame Brousse, elle vient de rentrer de Méréville. Non, non. Le billet était dans l'aumônière lorsque Mademoiselle Juine qui quêtait est remontée vers le premier rang des dames. Mais pourquoi ne voulez-vous pas, chère Mademoiselle Thérèse, que ce billet vienne de Monsieur Vivien? Pourquoi voulez-vous qu'il vienne de lui? Le billet se trouvait dans l'aumônière, deux rangs avant le rang de Monsieur Vivien. J'ai bien réfléchi, il ne peut s'agir que d'un étranger. Encore un bon après-midi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Il sera beau demain. La lune sera claire. Nous avons de la chance de pouvoir profiter du spectacle sans respirer la poussière. Oui, mais d'ici, on distingue mal les danseurs. C'est que nos yeux ne sont plus très bons. Suzanne, elle, les distingue. N'est-ce pas, Suzanne? Oui, très bien, grand-mère. Ça n'a pas grande importance. Est-ce qu'on connaît encore les jeunes gens qui dansent? La vie, c'était bien différent. On savait les noms de chacun, de chacune. C'était divertissant de voir se former les filles. Je trouve que ces musiques modernes sont surprenantes. Ah, je remercie le ciel qui m'a permis de connaître la valse et la polka. Ce qui compte, c'est d'être jeune et de danser. Ah, jeunesse, jeunesse, ça ne dure pas longtemps. Madame Constantin, vous ne permettez pas à Suzanne de descendre jusqu'au bal? C'est de son âge. Suzanne préfère rester avec qui, ma chère Thérèse? N'est-ce pas, Suzanne? Oh, cette intrusion des batailles de confettis dans la fête traditionnelle, c'est une nouveauté. Jadis, on lançait des confettis que les soirs de carnaval. Je trouve cette innovation regrettable. D'autant que les gamins ramassent leurs projectiles dans la poussière et viennent ensuite les fourrer jusque dans la bouche des gens. C'est gênant de trouver des confettis partout le lendemain du bal. L'an dernier, j'en ai cueilli un jusque dans le creux de mon lit. Il s'était collé contre ma cuisse. On aurait dit un grain de beauté. La mémoire est le fardeau des vieilles gens.
Est-ce que le fils Coucy est revenu du service militaire? C'est bien lui qui danse avec Jeanne Lebon. Non, ce n'est pas lui. Mais qui peut bien danser Jeanne? Son fiancé est absent. C'est dur d'attendre quand il y a une fête et quand on a 20 ans. Thérèse doit savoir ce dont elle parle. Où est donc Théodore? Ah, il a dû aller sur la place. En ce moment même, il boit peut-être à la buvette alors qu'on a besoin de lui. Voulez-vous que j'aille le chercher? Non, c'est pas la peine. Oh, c'est jeune. Vraiment, ils exagèrent. L'amour est une plaisanterie. Une plaisanterie sale. Croyez-vous qu'il vaille mieux être comme moi, abandonné la veille de ses noces? Nos maris étaient les meilleurs des hommes. J'ai bien connu. Les bons s'en vont toujours d'abord. Le pauvre monsieur Paul. Votre pauvre mari. Lui aussi, pas plus trop vite. Je crois qu'il est temps d'aller dormir. Tu les connais depuis si longtemps? Cela commence à faire belle lurette. J'essaie d'imaginer qu'elles ont été jeunes et belles. Elles ont eu des aventures? Suzanne, des aventures. Des aventures, pas à proprement parler, mais une histoire. C'est drôle. Madame Thérèse, je ne sais pas. Elle semble déplacée dans la maison des Bernardini. On l'imagine à la cuisine, pas au salon, pas sur la terrasse. Et elle ne fait rien, elle se laisse servir. Elle a bien dirigé sa barque. Elle a bien su mener son jeu. Mais quel jeu, grand-mère? Oh, tout cela c'est si loin que Ganton a déterré de vieux secrets. Elles allaient au bal? Elles dansaient? Madame Laure n'était pas encore Bernardini. C'était une Lambert. Une famille de commerçants modestes, débouchés. Et ils avaient de l'ambition. Ils ont tenu à écarter leur fille du magasin dès son plus jeune âge. Ils lui ont donné ce qui pour eux était une éducation de reine. On la voyait rarement dans le magasin. Le bal se tenait déjà sur la place des Platanes, juste devant la terrasse de Bernardini, comme aujourd'hui. La maison n'était habitée que par Madame Bernardini mère et par Monsieur Paul. Paul était son fils. Aujourd'hui, il y avait des bancs autour de la piste de danse. Mais seuls, les jeunes gens et les familles de peu s'y asseyaient. Pour les personnes de qualité, on disposait quelques chaises en retrait.
et certains même tenaient à apporter leur siège. Mademoiselle Laure, vous m'accordez cette danse? Avez-vous demandé la permission à mes parents? Madame, monsieur, pardon, est-ce que vous acceptez que j'invite votre fille à danser? Monsieur, c'est à ma fille de décider. Merci, monsieur, je ne danse pas. Très bien, ma chérie. Bon, il n'est pas très utile que tu danses avec les jeunes hommes issus du petit commerce. Oui, mais maman, ce sont les seuls que je connaisse un peu. Tout à l'heure, ton père te donnera le bras pour faire un tour de valse. Bien sûr. Elle se demandait peut-être pourquoi le fils Bernardini ne dansait pas. Il ne dansait pas parce que le petit peuple de la ville n'était pas assez bon pour lui. Madame Mère interdisait à son fils de se commettre avec le tout venant. De Paul, je me souviens mal. Je le revois grand, mince et brun, le sourcil noir et le câlin. Il était voluptueux comme un chat. Aussi voluptueux que sa mère était austère. Il se levait tard, il s'occupait négligemment des métayers qui exploitaient ses terres. Il l'aurait ruiné si Madame Mère n'y avait mis bon ordre. Tout ce qu'il savait faire, c'était, avec quelques compagnons de plaisir, aller à la chasse et fréquenter les filles. On dit que Madame Laure a rencontré pour la première fois celui qui devait devenir son mari en livrant une commande de viande. Sa mère ne choisissant pour elle que les pratiques dont la famille comptait un fils à marier d'assez haute volée. Bonjour. Je vous apporte la commande de Madame Bernardini. Merci. Bonjour, Madame. Mademoiselle. Oh, c'est gentil d'avoir pensé aux herbes. Venez avec moi, mon enfant. Est-ce à ce moment-là que le jeune Paul est entré? Ou bien est-ce un peu plus tard qu'a eu lieu la première rencontre? Deuxième rencontre, ça, ma petite Suzanne, je ne suis pas sûre qu'elle se soit déroulée juste après l'incendie de la forêt. On a beaucoup parlé de cet incendie. Le fils Bernardini a failli y périr. En se portant volontaire pour aller au feu, il n'agissait pas par générosité pure, oh non. Plusieurs propriétés familiales se trouvaient menacées. Cependant, il aurait pu laisser les autres défendre son bien. Oh, ça va, 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 ça
Approche-toi. Il est bien touché. Hein? Vas-y. Dépêchons-nous. On va l'amener chez les Lambert, c'est le plus près. D'accord. Allez. Allez, Hugues. Mais c'est Monsieur Bernardini. Ramenez-le tout de suite à la maison. Déjà levée, ma bonne. Quelle mine! Une vraie déterrée. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tiens, de ma chambre, j'ai cru entendre quelques ronflements. Je ne ronflais pas, j'ai le nez bouché. Il faisait frais hier sur la terrasse. Et mon châle, je vous l'avais mis sur les épaules. Ma bonne, si vous voulez faire la grasse matinée, vous pouvez le dire. On ne vous aurait pas dérangé. Je n'ai pas besoin de vous à toute heure du jour. Je goûte la solitude parfois.
Et je me trouve encore assez alerte, Dieu merci, pour me passer de suivante durant quelques moments. À votre âge, au contraire, ma bonne Thérèse, on a besoin d'un repos prolongé. Salut, madame Laure. Eh bien, Théodore, on vous a cherché hier soir. Madame Laure, les soirs de fête, ça me vaut rien. Ça revive les souvenirs. À cause de la fête, je me suis laissé aller de petit blanc en petit blanc. Les vieilles images sont remontées et ça ne quitte plus de longtemps. Les souvenirs sont inutiles, mon bon Théo, puisque les choses sont ce qu'elles sont. Oh, ça c'est bien vrai, madame Laure. Ah, parfois, je me dis que rien vaut la peine. Et que le monde est mal fait, puisqu'on mange son pain blanc le premier. Ah, quand on a du pain blanc, bien sûr. Ah, tenez, regardez, votre pauvre défunt. Il se croyait malin. Et puis, il voilà parti le premier. Qui c'est qui gagne, hein, en fin de compte? Oh, touchez pas les roses blanches, hein, non. Oh, elle va mettre bas. Et quand elle va mettre bas, elle est nerveuse. On racontait que depuis l'incendie, Paul Bernardini ne quittait guère sa chaise longue à cause de sa blessure qui ne voulait pas se guérir. Madame, pardonnez-moi, madame, mais mes parents ont pensé que monsieur Paul, enfin que peut-être ses fruits fraîchement cueillis du jardin... Comme c'est aimable. Vous allez les porter vous-même à mon fils. Il aura ainsi le plaisir de vous remercier lui-même. Ces beaux fruits ne pourront qu'accélérer sa convalescence. Paul ? Vois ce que cette charmante demoiselle a l'extrême amabilité de t'apporter. Dis-lui merci. Merci, mademoiselle. On vient de les cueillir. Il a raison. Le fruit que je préfère. Vous le saviez ? Non. Alors vous avez deviné. Ma mère a raison. Vous êtes charmante. Remerciez vos parents, mademoiselle. Paul avait dû préparer son message longtemps à l'avance. Et il devait attendre une occasion pour le faire parvenir à destination, à l'insu de sa mère. Qu'elle pu croire, ne fût-ce qu'un moment, que la lettre était pour elle. Elle n'était pas pour Laure, mais pour Thérèse. Thérèse Reboule. Thérèse était à l'époque une personne dont les gens convenables ne prononçaient le nom qu'avec mépris. Elle était modiste dans la ville haute. Chacun savait, mis à part la petite Laure devant qui on n'évoquait jamais ces choses, que Thérèse était la maîtresse du fils Bernardini. Il n'y a pas de réponse.
Où est ma tasse? Quelle tasse? La tasse aux violettes. Dans ma chambre, sur la coiffeuse. Et vous ne pouviez pas la rincer après usage et de la remettre à sa place? Je l'ai prise pour mettre à tremper mon dentier. Pourquoi avoir choisi justement cette tasse? Parce que c'est la plus jolie. Comment? Et vous aviez besoin de prendre pour cet usage une pièce de collection? Cette tasse est la dernière d'une série. Du pur Limoges. Voilà votre tasse, madame. Merci. Rincez-la soigneusement. Bien, madame. À l'eau très chaude. Oui, madame. Je n'aurai plus le même plaisir à prendre mon café. Il me semblera que la porcelaine garde une odeur. Un relent. Un relent de quoi? Un relent de vieille mâchoire. Une odeur de chicot. Ça ne va pas? Tu veux dire triste? Je m'ennuie. Si seulement quelqu'un venait me faire la lecture, ça me changerait moins les idées. Il n'y a pas eu de courrier pour moi? Non. Tu veux que je te lise quelque chose? Non, pas toi. Tu as autre chose à faire. Tu veux que je demande à mademoiselle du Floriel? Ah non, pas cette vieille fille. Elle me flanquerait le cafard. Trouve-moi une jeunesse. Quelqu'un de frais à regarder. Avec une jolie voix. Je ne sais pas, moi. Laisse-moi chercher. La jeune fille qui m'a porté des prunes, tu te rappelles? Elle n'a pas beaucoup parlé. Mais je crois me souvenir qu'elle avait une jolie voix. La fille du boucher? J'avais oublié qu'elle était la fille du boucher. Mais va pour la fille du boucher. Pour Laure, amour voulait dire mariage. Elle restait persuadée que le fils Bernardini voulait épouser la modiste. Mais elle se disait que les noces n'étaient pas célébrées encore. Elle a décidé de conquérir le fils Bernardini. Alors, vous avez bien donné mon billet? Oui. Vous l'avez bien donné à Thérèse? La modiste? Oui. Elle ne vous a pas donné de réponse? Non. Elle ne vous a rien dit? Rien. Les truites. Deux espèces se trouvent en France. Premièrement, la truite commune, qui atteint 60 cm et un poids de 8 kg. Cette truite s'appelle truite de rivière ou truite saumonée. Elle fraye dans les eaux peu profondes et très oxygénées. La truite de mer, vulgairement appelée truite de Dieppe, du marché de Paris, qui atteint 80 cm, très voisine du saumon. Les truites sont des poissons très méfiants, d'allure très vive. Vous voulez quelque chose? Vous savez très bien quoi. Et vous savez aussi que je ne partirai pas sans ça. C'est pas la peine de préciser pour qui c'est, non? Aline a acheté un rôti bien trop gros. Elle doit nourrir toute sa famille à nos dépens. Je surveillerai les restes. Il ne faudrait jamais sortir de la cuisine. Ce n'est pourtant pas à moi de le faire. Théo passe les bornes. Il ne pense qu'à ses lapins. Je
Je l'ai surpris en train de mitonner une bouillie pour sa lapine blanche qui allait mettre bas. C'était dégoûtant. Résultat, une casserole perdue et la maison toute en puanti. Vous n'avez encore rien senti? À peine. J'ai su qui dansait au bal avec Jeanne Lebon. C'est ce jeune homme venu de Paris pour les vacances. Les Parisiens ont du prestige aux yeux des femmes. Fichaise. C'est moins le renom de la capitale qui attire que le charme des gens qui viennent d'ailleurs. Ah! Oh! Que vous êtes douillette. C'est tout ce qu'elle vous a donné? Oui. Elle n'a rien dit d'autre, rien ajouté. Elle a ri. Un rire insultant. Insultant plus pour vous que pour moi. La garce. Elle croit me tenir. Eh bien, elle se trompe. Est-ce que Paul s'est alors fâché avec Thérèse? En tout cas, il sembla qu'il n'avait plus besoin de l'or. L'or n'a plus approché Paul de longtemps, jusque bien après l'affaire du collier, quelques mois plus tard. Ah non, j'ai pas envie. Une fois, c'est déjà pas drôle, mais alors deux. T'as pas soif? Moi, si. Après, j'ai toujours une de ces pépites. Bois donc, ça te changera les idées. Dis donc, mon mignon. Il reste un tas de détails qu'on n'a pas encore discuté. Comme ce détail-ci, par exemple. Qu'est-ce que c'est? T'es aveugle? Tu sais plus reconnaître un collier? Qui te l'a donné? Ça te regarde. À présent, oui. Qui? Un monsieur qui me voulait du bien. Non! Arrête! Non! L'acte insensé de Paul Bernardini avait défrayé la chronique. Thérèse n'était pas morte. Elle s'était évanouie de terreur. Paul, défendu par un avocat de ses relations, avait été acquitté. Il n'en restait pas moins que le blason des Bernardini avait perdu de son lustre. Elle n'osera jamais la chasser.
serait plus mauvaise qu'une gale. Elle renverse les casseroles, fout les épingles dans les coussins. Elle enferme les mouches dans le sucrier, je sais, je l'ai vu. Elle vide son pot de chambre au pied des rosiers. Ça aussi, je le vois. Tous les matins. Si je voulais parler, hein, je la tuerais. Je te tuerais, Thérèse. Ah, j'aurais déjà dû la tuer. Mais elle est forte, la garceur. On nous enterrera tous. Comme elle a enterré M. Paul. La vie des hommes dure trop. Les bêtes, elles vivent moins longtemps. Jamais ce que j'ai découvert hier après-midi au cimetière. On a dérobé le livre de marbre où était inscrit le nom et les dates de mon défunt mari. Quel scandale! On va donc à présent jusqu'à voler les morts? Quelle époque! Comment peut-on s'adapter à une époque sans foi ni loi? Notre pauvre monde court à sa perte. Quand le respect devant la mort disparaît, il n'y a plus d'espoir. Les sacrilèges méritent la potence. Pour moi, les morts importent moins que les vivants. Oh, même. Les paradoxes de Thérèse ont fini de m'étonner. C'est elle seulement où se trouve la sépulture de sa propre mère. Le livre de marbre m'avait coûté les yeux de la tête. Et puis, la page vierge était destinée à recevoir mes dates à moi quand je partirai pour l'autre monde, le plus tard possible. Je sais où se trouve la tombe de ma mère. Au fond de l'allée à gauche, la troisième en partant du mur. C'est bien cette tombe entourée d'une grille, sur laquelle on ne voit jamais de fleurs. Quand ma mère vivait, elle détestait le parfum des fleurs. À quoi bon lui en donner maintenant? Là où elle est, les odeurs ne risquent pas de l'incommoder. Je me demande pourquoi certaines personnes sont sensibles à certaines odeurs. Avez-vous remarqué?
Ainsi, moi, je n'ai jamais pu respirer du muguet sans éprouver de violents maux de tête. Moi, c'est le lilas qui m'incommode. Un bouquet de narcisse suffit à me faire pâmer. Les odeurs sont liées à des souvenirs. Je l'ai lu dans le journal. Si tout cela n'était pas des sottises, je devrais haïr tous les parfums, puisque ma vie n'a été qu'une longue suite de mauvais souvenirs. Le foin coupé me donne des crises d'asthme. L'asthme est une maladie des nerfs. Est-ce que vous entendez me traiter de folle? Allons, allons, cher ami. Je ne pense pas que cette bonne Thérèse ait voulu vous froisser. Vous prendrez bien encore une tasse de tilleul. Merci. Si Madame Bernardini, mère, avait été moins pressée de marquer son fils, le temps aidant, elle aurait fini par trouver une bru digne d'elle. Mais elle se sentait à bout de résistance. Elle désirait mettre sans délai une barrière infranchissable entre son fils et Thérèse. Vous allez finir par vous crever les yeux. Oh non, je ne crains rien. Puis j'aime tellement broder du beau linge. Vous souffrez encore de votre jambe? Oui. Vous êtes vraiment la seule à me plaindre. Je vous remercie. Le souvenir qu'elle en gardait était très flou et très fort. Elle fermait les yeux. Ce souvenir ne ressemblait pas à une image gardée de la réalité. N'était plus qu'un rêve dont il convenait de ne pas abuser. Quelque chose d'incommunicable. Laure, vous êtes fatiguée? Vous voulez que j'arrête? Oui, merci. Vous savez, ma petite Laure, dans votre état, il faut éviter toute fatigue, même légère. Avez-vous envie de quoi que ce soit? Vous savez, les envies aussi, il faut en tenir compte. Les satisfaire autant qu'il est possible, évidemment. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Très bien, ma petite fille. Je vous quitte. Dormez un peu. Ça ne peut que vous faire du bien à tous deux. À vous et au bébé. Tu n'as pas entendu ce que ta mère vient de dire. Il faut me laisser tranquille. Mais enfin, ma bichette. Écoute, c'est bien simple. Si tu m'approches, je le dirai à ta mère.
Est-ce alors que Paul a recommencé de penser à Thérèse? Thérèse, guérie et plus fringante que jamais, était d'abord devenue la maîtresse d'un aubergiste. Elle avait renoncé au chapeau. On ne lui en commandait plus à cause du scandale. Et elle se laissait entretenir. Elle venait de quitter son restaurateur sur un coup de tête. Elle faisait des ménages chez des gens qui ne se montraient pas trop pointilleux sur la moralité de leur personnel. Tu viens de regarder ta montre. Moi? Ne mens pas, je t'ai vu. Tu sais très bien qu'il faut que je sois rentré à minuit. T'as peur de perdre tes souliers comme Cendrillon? Thérèse, tu t'arranges toujours pour gâcher les moments que je passe avec toi. Et toi, tu les gâches pas en regardant ta montre toutes les 5 minutes? Comme si tu avais peur de me donner plus que ma part. Ou comme si tu voulais vérifier que tu en as bien pour ton argent. Thérèse! Oui, tu me donnes de l'argent. Et après? Je marche pas à temps de l'heure comme une ouvrière d'usine. Et d'une. Et de deux, je trouve que c'est pas cher pour le plaisir que je te donne. Et pour tout le déplaisir que j'en ai. Parce que si tu crois que ça m'amuse de me laisser bousculer par toi dans la luzerne, tu veux que je te dise, tu sens le mari. Rien que pour ça, je devrais te demander le double. Tu es de mauvaise foi. Tu sais très bien que je ne suis plus le mari de Laure. Oh, la malheureuse, comme je la plains. Et ta pauvre mère. C'est vraiment pas la peine qu'elle ait fait le sacrifice qu'elle a fait en te faisant épouser une fille de boucher pour en arriver là, au même point qu'avant. Tu vois, tu le reconnais toi-même. Laure et moi, c'est comme si on n'était pas mariés. Menteur! Je te connais, mon bonhomme. Tu vas la retrouver, je le sens, tu frétilles. Tout ce que je viens de faire, c'est de te préparer pour elle. Elle t'attend. Je la vois comme si j'y étais. Les cheveux sur les épaules. Et les épaules nues. Dans votre lit. Je te le jure, Thérèse. Je ne l'approche plus. Elle me le défend. Et ma mère aussi. Tu crois que je te crois ? Tu l'as eu, ton fils de famille? Mais qu'est-ce que tu te crois? Qu'est-ce que tu es de plus que moi? Une pute, comme moi? Mais c'est moi qui l'ai, votre bonhomme. Et c'est avec moi qu'il vient jouir, si vous voulez savoir. Mon Dieu! Comme j'aimerais apprendre à fabriquer moi-même les ornements de mes toilettes. Ma soeur parle pour ne rien dire. Qu'aurait-elle à faire d'un chou? Je n'ai jamais frisé les fanfreluches. Prétendez-vous m'accuser de frivolité? Ce chou me rappelle une robe portée jadis. Le corsage était orné de petits plis et la jupe était parsemée de guirlandes de choux. C'était une robe de bal, une robe rose. On a peine à vous imaginer en rose. C'était ainsi pourtant. Et de l'avis unanime, le rose me seyait à ravir. Je me ferai un plaisir d'enseigner l'art du chou à Madame Sim. Une leçon de chou? Je me souviens d'une boîte à bijoux que possédait ma mère. Un coffret d'argent plat rectangulaire. Le couvercle était gravé. On y voyait un berger debout derrière sa bergère. Elle s'essayait à souffler dans un chalumeau. Au bas de la gravure, sur une banderole, on pouvait lire le titre du tableau. La leçon de flûte. Il ne s'agit pas de flûte pour l'instant, mais de chiffonnage. C'est que ma sœur n'a jamais su tenir une aiguille dans ses doigts. Ah ben pourquoi n'essayerais-je pas? Si je n'ai jamais terminé un ouvrage, c'est que tout ce qu'on proposait était bien ennuyeux. Ah, mais cette fois... Ma mère tenait beaucoup à ce coffret. Elle y tenait tant qu'elle avait demandé qu'on le mette dans son cercueil avant de mourir. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffret? Ah, je ne l'ai jamais su. Il contenait des portraits d'êtres chers. Dans ce cas, je me demande pourquoi ma mère aurait fait tant de mystères autour de ce coffret. Il contenait peut-être des lettres d'amour. La pluie a taché les derniers chrysanthèmes. Et à propos,
je me suis décidée à faire remplacer le livre de marbre sur mon tombeau. Mais les prix ont tellement augmenté que j'ai dû renoncer à l'or pour la gravure. Et croyez-vous, au moment de donner le texte à inscrire, je ne me suis plus rappelé la date de naissance de mon défunt mari. Quant à la date de sa mort, je ne risquais pas de l'avoir oubliée. On n'oublie pas les dates de ses grandes douleurs. Celle-là, c'était plutôt celle d'une délivrance. Le pauvre monsieur Constantin a beaucoup souffert. C'est encore moi qui ai souffert le plus, et le plus longtemps. Cette idée de se promener en pleine nuit. À cette heure, vous ne pourriez pas être couché comme tout le monde? Mais qu'est-ce qui vous a fait ça? Je vous le demande. La lapine blanche. Théo vous avait prévenu pourtant. Elle est nerveuse. Elle aura eu peur. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle aurait pu vous arracher le doigt. Ma pilule. Est-ce que ça vous élance? C'est une simple égratignure. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Il ne faut pas négliger les bobos. J'ai vu s'envenimer de simples piqûres de rosier. Cher ami, j'ai été un temps infirmière bénévole. Montrez-moi la plaie. Ma sœur a la main légère. Mais c'est une morsure. Qui vous a mordu? Vous n'avez pas de chien. C'est une morsure de chat. C'est la grosse lapine tachetée qui m'a fait ça. J'ai voulu la caresser. Elle attend des petits, elle est nerveuse. Les morsures d'animaux peuvent entraîner des conséquences redoutables. Le tétanos. La gangrène. Vous devriez prendre des bains d'eau salée. Au gros sel, cela va sans dire. Non, non. N'hésitez pas à consulter le docteur Noiret. Il vous donnera des antibiotiques. La pénicilline. Je me demande comment vous avez pu vous faire mordre. Et vous le savez bien. J'ai simplement passé mon doigt à travers le grillage. La lapine dormait sans doute, elle s'est réveillée brusquement, elle a eu peur. Les lapins sont plutôt d'humeur douce. En plein jour, vous n'auriez rien risqué. C'était donc la nuit? Oui, c'était la nuit. La nuit? On n'a plus le droit de se promener la nuit dans son propre jardin. Ma pauvre amie, toujours vos insomnies. Il y a tant d'années que Madame Laure ne dort pas. Moi-même, je dors comme une enfant. Eh bien, je suis parfois réveillée par le tintement d'une cuillère contre une tasse, par des soupirs, par une toux sèche, une toux que je connais bien. C'est l'insomnie, un malaise. Il faut du tilleul tiède et une dragée de luchon pour... J'ai connu un cheval de feu mon mari. Il donnait des coups de sabot. Mais des coups de sabot cruels. Il a fini chez l'écarisseur. Ben, moi, c'était une chatte. Elle mangeait ses propres petits. À moi, c'était un serin. Il tuait à coups de bec ses compagnons le cage. Moi, j'ai connu une chienne. Thérèse, du charbon, s'il vous plaît. Dans le feu.
On avait engagé dans la maison un valet nommé Théodore. Théodore avait tout de suite voué une admiration et un dévouement sans bornes à M. Paul. Paul se servait de Théodore. Il l'emmenait chasser. Il lui parlait de Thérèse. Sur le temps qui sépare la naissance du premier fils de Laure de la mort de sa belle-mère, je ne peux guère donner de renseignements. Il semble que la jeune femme, profitant de son enfant, a secoué tout à fait le joug des Bernardini. On dit aussi que vers cette époque, Paul a cessé de fréquenter Thérèse. Mais on raconte aussi que Thérèse avait quitté la ville derrière un quelconque séducteur qui lui promettait l'argent et le bonheur. On raconte que le baptême du deuxième enfant de Laure a été entouré de faces. Autour du nouveau-né engoncé dans les dentelles, il pleuvait des timbales d'argent, des couverts chiffrés, des coquetiers et des ronds de serviettes. C'est alors qu'on sablait le champagne que Madame Mère a été prise de faiblesse. Elle avait encore le goût du champagne sur la langue. Elle a dû mourir de joie. La vieille dame enterrée, on peut imaginer que Laure a fait ses comptes, une sorte de bilan de vie. Elle se retrouvait maîtresse de la grande maison. Des champs, des bois, des fermes et des hameaux. Paul lui semblait soumis. Elle était mère deux fois. La servante lui avait remis les clés des placards de la maison. Ces clés n'étaient pas posées sur un coussin de velours. Il n'empêche, Laure était reine. Vous ne voyez rien, là, du poignet à la saignée du coude, cette trace rouge. Ça prouve que l'infection gagne. Est-ce que vous ne ressentez pas une douleur à l'aisselle, là? Oh! Vous voyez... Thérèse, ma bonne Thérèse, vous ferez venir le docteur au plus tôt. À se promener comme ça la nuit, on s'expose à des dangers. Allons, allons. Le docteur va venir. Calmez-vous.
tout sera, ne sera bientôt plus qu'un vilain songe. Thérèse. Thérèse, j'ai peur. J'ai peur de la maladie. J'ai surtout très peur de la mort. De toute façon, la mort ne tardera plus pour nous deux. Nous avons derrière nous une longue vie. Notre vieillesse s'écoule paisible dans le confort et dans l'amitié. De quoi est-ce qu'on se plaindrait? Sans se plaindre, on peut avoir peur de mourir. La vie ressemble à une longue promenade qu'on fait sur une route bordée de cercueils vides. La foule avance. Elle est d'abord nombreuse, puis elle diminue à mesure que ses membres se couchent l'un après l'autre dans les cercueils. Sans ordre d'âge d'ailleurs. Chacun sait que le sien est là, quelque part au bord du chemin. Il vaut mieux n'y pas trop penser. Mais la vie éternelle, n'y a-t-il pas une vie éternelle? Je me demande ce qu'il adviendra de nous. Avons-nous bien ou mal vécu? Quant à ça, je m'en soucie comme d'une guigne. On a dû se défendre de tant de pièges. On a vécu comme on a pu. Chacun se tire d'affaire à sa manière. Il n'y a ni bien ni mal. Là, ma belle, ma douce, ma colombe. Le docteur va venir tout de suite. Il n'y paraîtra bientôt plus. Là. Et puis il y a eu la guerre, la première grande, celle de 14-18. Bien des hommes ont dû partir se battre sans avoir le loisir de se demander si l'enjeu valait la chandelle. Paul Bernardini était de ceux-là. Pour certains, la grippe et Thérèse sont arrivées en même temps dans la ville. Pour d'autres, la grippe a précédé Thérèse. Ce qui est sûr, c'est que la grippe et Thérèse venaient du même bourg, celui où Thérèse s'était rendue à la suite d'un marchand de vin. Le marchand venait de mourir sur le front. Thérèse avait attendu à peu près sagement, dans l'espoir de se faire épouser. Elle prenait de l'âge. Elle devait commencer à se soucier de son avenir. Elle s'est retrouvée comme devant. Elle est revenue à la ville qu'il avait vue naître. Par habitude, par lassitude, ou parce que tel était son destin. À la même époque, l'épidémie qui avait commencé d'envahir le pays s'est propagée rapidement. Beaucoup de gens mouraient, et les médecins disaient entre haut et bas que cette grippe, c'était la peste. Les parents de Laure sont morts. Sa servante est tombée malade, puis ses fils, enfin Théodore. Laure était seule pour accomplir tous les travaux, donner tous les soins. Il n'y avait pas dans la ville une seule femme qui aurait accepté de travailler dans la maison.
Voilà. J'ai appris que vous étiez seule avec tous vos malades. Alors je me suis dit... Enfin voilà, je vous offre mes services. La contagion ne me fait pas peur. Thérèse est entrée. Elle ne devait plus ressortir. A-t-on idée de se faire mordre par un lapin? Oh. Soignez-vous bien. Je repasserai vous voir demain. Merci, docteur. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. On peut dire que vous l'avez échappé belle. J'ose en parler à présent. Je vous voyais perdu. Vous exagérez. Ce n'était qu'une toute petite morsure. La lapine aurait pu être enragée. Oh. Comment une bête enfermée pourrait attraper la rage? On a vu de ces sortes de cas. Mon Dieu, je suis heureuse de m'en tirer à si bon compte. Qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la lapine? Décidé? Qu'est-ce que j'aurais pu décider? Cette bête était dans son droit. C'est moi qui ai été sotte en allant la réveiller. Depuis cette maudite nuit, je ne peux plus dormir. J'ai toujours l'impression d'entendre votre pas. Vous allez vous faire mordre au jardin. On ne m'y reprendra plus. J'ai pris la lapine en haine. Oh. Pour ma part, je ne lui en veux pas. Je reconnais bien là votre bonté. À quoi pensez-vous, Thérèse? Si c'était moi qui gouvernais, je ne laisserais pas cette bête en vie. Vous feriez tuer la lapine? Je la sacrifierais sans hésiter. Mais Théodore en serait malade. Oh, tout de même. Ce que j'en dis. La décision ne me regarde pas. Après tout, moi, tout ça, pour ce que j'en ai à faire. J'ai la tête lourde. C'est comme un cercle de fer autour de mon front. C'est du bouillon, avec des légumes que j'ai moi-même été chercher au jardin. Oh non, je ne pourrais pas. Quand Laure, à son tour, a attrapé la grippe espagnole, c'est Thérèse qui l'a soignée. Elle l'a soignée avec un dévouement inlassable. Est-ce que Thérèse désirait se rendre indispensable afin de s'assurer une honorable retraite? Ou bien... s'était-elle attachée à Laure? Elle reconnaissait peut-être en Laure une femme à sa mesure, bien supérieure au faible Paul. On peut se demander aussi si la beauté de Laure ne l'avait pas émue. N'ayez pas peur de vous appuyer sur moi. Je suis solide. C'est miracle que vous soyez passé au travers de cette épidémie. C'est comme ça que je suis, bâtie à chaud et à sable. Il faut plus qu'une épidémie pour me flanquer par terre. Je me demande ce que j'aurais fait sans vous. J'en frémis rien qu'à y penser. S'éloigne. Laure guérit, ainsi que les enfants. Théodore aussi. La guerre était terminée. Paul est revenu.
Trouvant Thérèse installée chez lui, il est resté muet de saisissement. Est-ce Laure qui a eu l'idée d'unir Thérèse à Théo? C'est que les gens jasaient, à juste titre. Les uns allaient répétant que Thérèse et Paul étaient parvenus à leur fin, que la garce était installée dans la place, et que la vieille Madame Bernardini devait se retourner dans sa tombe. C'était bien mon avis. Je me souviens, j'ai parlé net à Laure Bernardini. Il fallait qu'elle se sépare de Thérèse. C'est alors que les Bernardini, Paul et Laure, ont imaginé ce subterfuge. Ils ont proposé le marché à Théo. On n'a pas hésité longtemps. Les avantages matériels lui paraissaient considérables. Et puis, dans sa simplicité, il imaginait que Thérèse lui appartiendrait un peu. Il en avait tant rêvé, à l'époque où il parcourait les bois avec son maître. Le mariage s'est fait. Thérèse n'était plus qu'une bonne comme les autres. Laure employa un couple de domestiques à son service. Oh, tu l'as mordu, t'as bien fait. C'est Madame Laure qui a eu tort, hein, ça fait peur. Elles sont toutes folles, ces vieilles. Qu'est-ce qui leur prend, hein? Tu peux me dire de se promener comme ça la nuit? En tout cas, moi, je peux te dire une chose, c'est que Madame Laure, elle a pris l'habitude de se promener dans le noir. C'est quand M. Paul a recommencé avec Thérèse. Il a toujours eu le sommeil léger, Madame Laure. Bon, ben, même si j'avais été vraiment le mari de Thérèse, qu'est-ce que j'aurais pu empêcher, hein? Ah, quand j'en aurais fini tous ces souvenirs. Je suis vieux, je suis seul, je suis... Qu'une vieille bête qui a fait son temps. Il est chevalisé, un chien aveugle, un chat sourd, un bouc malade. Quand je pense à ma jeunesse, on sait plus moi. Ma parole, c'est un autre. Et ben, la jeunesse, elle ferait passer de toute façon, hein, avec le temps. Je viens de vivre et le couvert assuré pour toute la vie. C'est quelque chose, non? Et je le sens fait. Ah, mais la vie, c'est pas la même chose. Sans qu'on la regarde par un bout ou par un autre. Hein. Du côté du commencement ou du côté de la fin. Ah, si j'ai gagné, c'est pas comme j'aurais cru. Ah, M. Paul, il a bien fait de partir. Pour voir ce qu'on voit, une lapine accusée d'assassinat. Au mieux être sous terre. On s'étonne que Laure ait gardé le silence. Elle aurait pu chasser Thérèse. Elle n'en a rien fait. Elle faisait le guet. Elle ne s'assoupissait qu'au petit matin, après avoir entendu Paul retourner vers sa chambre. À partir de là, ma chérie, on avance sur un terrain mouvant. Les quelques rumeurs, vite effacées,
sur lesquels on pourrait se fonder pour prétendre que Madame Laure a tué son mari, sont à peine plus consistantes que fumées. On peut imaginer que Laure, fatiguée d'une situation ignominieuse, a décidé une nuit d'y mettre fin par un meurtre. Est-ce que Laure avait tout organisé dans les moindres détails? Est-ce qu'elle a choisi le temps et l'heure de manière à être sûre que le monde ne verrait dans la mort de Paul qu'un accident? Thérèse a eu peur. Est-ce qu'elle s'est imaginée qu'il restait une balle pour elle? Laure l'a peut-être obligée sous la menace à devenir sa complice. On peut imaginer aussi que Laure et Thérèse ont agi de concert. Laure avait-elle donné à choisir à Thérèse entre son amitié et la vie de son mari? Ou bien faut-il penser que l'amitié de Laure et de Thérèse était si exclusive que Paul devait disparaître? Thérèse a-t-elle décidé que Paul, coupable de l'avoir forcé à tromper Laure, devait mourir? Comment Théo avait-il laissé abattre son maître sans rien dire? Théodore a pu ne pas entendre le coup de feu. C'est ce qu'il a prétendu par la suite. Il n'est arrivé qu'après le drame, appelé par Thérèse. L'enquête a été sommaire. Elle a conclu à l'accident. Nous, l'accident, on ne lui a pas cru. L'idée que Paul Bernardini aurait pu se suicider n'a pas été retenue. Pour qui l'aurait-il fait? On a fait revenir les enfants du collège pour la cérémonie funèbre. Ils avaient l'air un peu hébétés, presque indifférents. Laure, caché sous un grand voile noir, un visage de marbre. Thérèse baissait les yeux. Théo pleurait. Attention, Thérèse! Je ne manquerai plus que ça qu'elle me morde. La salope! Attention, Thérèse! Cette bête est dangereuse, j'en ai fait l'expérience! Vite, le sac! Ah, il se défend bien. La garce, la salope! À présent, le couteau. Vous allez frapper comme ça?
À l'aveuglette. Je vais entrouvrir le sac et saisir les oreilles. Oh, j'ai froid. J'aurais dû prendre mon châle. Dépêchez-vous, Thérèse. Vous voulez prendre ma place? J'ai vu tuer des lapins. C'est bien des façons. On peut leur arracher un œil, leur casser le cou, les jeter contre un mur. Moi, je ne connais que le couteau. On va remettre la lapine dans la cage, sans refermer la porte du glapier. Mon Dieu, les cris de Théo quand il trouvera sa lapine égorgée. Il croira qu'elle a été saignée par une puine. Il faut faire disparaître le sac. Il est plein de sang. Je tombe de sommeil. Il fait si doux ce soir. Si on allait sur la terrasse.